fin arrive à 7 à l'OMBC. Merci, vous pouvez suivre nous en direct depuis Cotou. Pour tout de suite, nous sommes ensemble, 20 titres. Réallocation fréquence pour télévision numérique terrestre et réconfiguration site. Transmission dans certains endroits. Ban téléspectateurs qui peuvent gagner difficulté, gagner ban scène MBC TV, zote bizin téléphone MCML, qui peut mettre à zote disposition ban technicien. Nous pouvons faire le point dans un petit moment. Dans le cadre de la prochaine élection générale, le commissaire électoral, Irfan Abdulrahman, dit qu'il a pu suivre le préparatif de près avec soutien sur le proche collaborateur. Il aussi prévoit une réunion avec les returning officers à l'approche nomination dès le 20 octobre. Coup d'envoi campagne électorale, l'Alliance Les Peuples hier dans circonscription numéro 4. Fin officiellement présente trois candidats qui pour poser là-bas. Premier ministre et leader de l'Alliance Les Peuples, Pravin Kumar Jagnet, fin d'imane population rejoigne train modernité. Egdeo, NASA fin lance une nouvelle mission depuis Floride, Europa Clipper pour road ban zone habitable dans Jupiter. Madame Missier, bonsoir. Nous démons avec sa nouvelle-là qui concerne surtout ban téléspectateur qui a pu gagner difficulté, gagner ban scène MBC TV. Zot bizin contacter MCML qui peut mettre à zot disposition ban technicien pour un nouveau scan ban fréquence, l'eau zot ban décodeur ou soit zot télévision. Ça, après qu'il fin fait reconfigurer ban fréquence, le ban site transmission montagne des signaux, Terre Rouge et Coromandel, un exercice qui fin fait pour MCML. Pour réallocation de fréquence pour télévision numérique terrestre par l'ICTA. Nous faisons le point. C'est ban l'appel de ban abonné sans réception télévision. Ce fin contacter MCML pour assistance. Sa ban officier de la MCML la peguidzot pour faire un nouveau scan de ban fréquence de ce décodeur ou télévision afin pour gagner ban chaîne MBC. Suite à une réallocation des fréquences de la ICTA, donc le MCML, il nous a procédé avec changement de fréquence dans certaines stations. Et dans le cas présent, nous avons cause stations de Montagne Signaux, Terre Rouge et Coromandel. Et dans cet exercice-là, tout le téléspectateur qui habite à la MBC sur la télévision terrestre, je peux besoin rescanner ou auto-tune cette télévision et décodeur. Donc, nous faisons cet exercice-là depuis vendredi dernier et nous faisons l'annonce sur les différents médias. Et par la suite, beaucoup de gens risquent de télévision, mais il y a certains gens qui peuvent gagner des difficultés. Et ces gens-là, nous pouvons proposer une assistance au téléphone. Et si jamais je n'ai pas réussi sur la télévision, quand nous pouvons causer dans notre téléphone, nous pouvons aussi mettre à notre disposition de l'équipe sur le terrain pour venir causer et assister. Sa reconfiguration de bande fréquence, l'Oban site de transmission télévision de Montagne des Signaux, de Terre Rouge et Coromandel par MCML, fait suite à réallocation de bande fréquence pour télévision numérique terrestre par ICTA. Réallocation là, c'est mondial ça, ITU. Côte ban fréquence qui longtemps télévision type servi puis bien allouer ça à ban société télécom. Dans ce but là, nous ICTN demande nous refaire configuration de ban l'émetteur sur l'île pour nous capable prendre une nouvelle fréquence qui est disponible pour la télévision terrestre. Ban abonné qui pas gagne réception télévision, je bien contacter MCML pour toute assistance. Service pénitentiaire 90 récrit fin paré pour exercer comme agor de prison. Fin en a une cérémonie à zodi cramatin dans Prison Staff Training School Beaubassin. À côté, zot fin passe 6 derniers mois prépa zot. Après une formation 6 mois, ça va une jeune recrue là, prêt pour intégrer le service comme god prison. Zot fait fierté zot la famille. Je tiens à remercier mon instructeur. C'est une bien forme nous, garçon, tifi, tous les dégâts training même pareil. Maintenant, aujourd'hui, mon gars se fruit. Me faire mes parents fiers de moi. Nous n'accomplissons grand chose dans ma vie. Beaucoup d'épreuves qui nous essaient de monter, mais ça m'a une épreuve. La bonne étape là, il me permet moi de venir qui est plus meilleur. Pour nous, le training c'était un parcours assez tough et effort physique et aussi enrichissant. Bien content, mon radar disciplinaire.
remercier mes parents, mon instructeur, mon collègue qui m'a tout le temps soutenu moi pendant mon parcours. Je suis bien content, mon garçon arrive depuis là, mais nous attendons de faire un cours plus progrès dans la vie. Tout mon instructeur, je suis en charge, je suis fait l'entraînement passe vraiment bien. Et on apprend beaucoup de choses, mentalement, physiquement, nous disciplinés aussi. Ben différents cours et formations qui nous donnent pour aider dans notre travail. On fait leur classe et puis on a notre job training. Et nous trouvons comment on performe excellent. Nous avons chatan qui va recruter là, donc ils performent aussi bien. Alors le training continue jusqu'à ce qu'ils soient performants parce qu'ils travaillent à l'intérieur. Ce n'est pas un travail aussi facile. Lors de sa cérémonie-là, fin également il y a un exercice de drill pour sa banzène-là, un dog show et une démonstration le maniement tonfa, entre autres. Aster, sa bonne nouvelle recrue-là, Peatan Poukoun, ce nouveau lieu travail. Nous verser là une volée l'oban prochaine élection générale, justement, fin français ban l'étape importante dans cadre prochaine élection générale, commissaire électoral Yefan Abdulrahman dit qu'il y a poursuivre tout l'organisation de près avec soutien ce ban proche collaborateur, les fin site signatier writ of election, inspection ban centre de vote entre autres, nomination dès les 20 octobre pé costé et que dans sa l'optique là, commissaire ex-adjoint pour une ban réunion avec ban Returning officers, les fin d'iman collaboration, tout ban partner, à nous écoute-li. Depuis une semaine, tous les jours, on peut suivre le déroulement de ban préparatif pour l'élection générale le 10 novembre. Le député de commissionnaire, M. Sitaram, et Mme Kunjan, chief electoral officer au bureau, et le staff au bureau, peuvent tenir moi au courant et que je travaille en étroite collaboration à chaque phase du processus électoral depuis la dissolution du Parlement le 4 octobre. Nous avons déjà franchi plusieurs étapes importantes dans le préparatif, avec notamment la signature du RIT par la Retaining Officers et le premier briefing qu'il fait au bureau, le choix de la Deputy Retaining Officers et de la Senior Presiding Officers, l'identification de la Polling and Counting Center pour la circonscription, l'inspection de tout le Polling and Counting Centers par la Retaining Officers et de l'équipe, ou encore l'enregistrement des partis et alliance exode symbole par la commission ISC samedi dernier. Cette semaine-là, ma préparatif peut continuer à accélérer en vue de l'examination des qui peut avoir lieu mardi prochain le 22 octobre. Sous la supervision du député de la commissionnaire et moi-même, nous allons officier mon bureau pour tenir un briefing bien détaillé avec une tenue officieuse et ce personnel. C'est une étape bien importante dans nos préparatifs pour l'élection. Le processus électoral, comme on le connaît, dépend de l'étroite collaboration de tous les stakeholders qui est impliqués. Sa information, bureau commissaire électoral, en ce qui concerne ban vote par procuration, d'après règlement, l'oban élection dans l'Assemblée nationale 2014, vote par procuration, ou soit vote par proxy, concerne tout fonctionnaire qui est un électeur qui finit inscrit dans Rodrigue ou Agalega et qui en poste dans Maurice, ou un électeur qui est inscrit dans une circonscription dans Maurice et qui en poste dans Rodrigue ou Agalega. Dans Rodrigue, tout électeur qui ou les dimanche vote par proxy, bisant le bureau commissaire électoral dans Pau Maturin, pour gagner une forme demande de vote par procuration dans Maurice. Sa bonne forme là disponible dans bureau commissaire électoral dans Pau Louis. Formulaire candidature après qui finit rempli lit pour bisin signé par électeur et mandataire et que bisin quitte ça dans bureau commissaire électoral au plus tard samedi les 26 octobre 2024 4h tantôt bureau commissaire rappelle qu'une personne n'a pas capable nommer mandataire à moins s'il est un citoyen Commonwealth qui n'a plus que 18 ans et qu'il est capable légalement voter et qu'un dimoun n'a pas capable nommer mandataire pour vote par proxy au nom plus qui déélectaire pendant une élection. Toujours dans le cadre d'une élection générale, la police finit à plusieurs communiqués et qu'elle rappelle qu'il bisait respecter plusieurs la loi pendant campagne électorale, zou voter et coussi, zou counting. L'objectif sa bonne provision légale là, c'est si et tout à si sécurité et que l'aude pour qui bonne élection déroule sans problème.
Selon l'article 40B Road Traffic Regulations, l'I interdit qu'il attache un banderole, un drapeau, bien une bannière à un véhicule ou bien à une remorque. L'I aussi interdit pour agir zut ou bien brandir zut en roulant. Sa bonne action là, selon la police, capable être un danger pour le conducteur et pour les zut usager la route. Lance un objet d'un véhicule, lui aussi considéré comme dangereux et capable d'obstruer la route, selon une section 152 et 163N Road Traffic Act. La police rappelle que tout dimoune qui trouvait coupable de sa délit-là, capable de gagner la manne qui pas dépasse 100 000 roupies et qu'une peine d'emprisonnement qui pas dépasse 5 ans. L'I aussi porté à l'attention du public qui envoie, transmet ou bien publie un message obscène, offensant et menaçant, susceptible porter préjudice à un dimoun, aussi constitué comme un délit selon section 46 Information and Communication Technologies Act. Un tel délit est passible d'une amende au moins 1 million roupies et qu'une peine d'emprisonnement qui pas dépasse 10 ans. La police informe également le ban règlement qui vise à respecter zou élection et zou dépouillement. Le ban rassemblement public, la police rappelle qu'il possède un arme offensive, avoir recours à violence ou bien obstruer un rassemblement public, considéré comme un ban délit passible d'un amende et qu'une peine d'emprisonnement. La police cite ban section 8, 9, 10, 11 et 12, Public Gathering Act, et rappelle qu'aucun rassemblement public pas capable de faire après 6 heures tantôt la veille ou élection et que durant 3 prochains jours après gain résultat élection. L'Alliance Les Peuples fin dément hier sa campagne électorale dans circonscription numéro 4, Paulino Montagne Longue. Fin officiellement présente 3 candidats pour élection le 10 novembre. Et tous les 3 fin lancent l'appel pour soutenir l'Alliance Les Peuples. Xavier Luc Duval, leader PMSD, et que Premier ministre et leader l'Alliance Les Peuples, Pravin Kumar Jagnet, fin eux aussi intervenir. Fin met en avant ban réalisation gouvernement, leader l'Alliance Les Peuples, fin dimanche. Population, réseau, train, modernité. Pareil comme en 2019, c'est dans la place La Foy, Sainte-Croix, qu'il alliance les peuples fin des morts aux campagnes électorales 2024. Des députés sautants, Jolie Jongar et Subhashni Lachman Roy, paient représentent eux devant l'électorat numéro 4. Zeut peut accueillir Adrien Duval comme un troisième colissier. Tous les 3 candidats fin mettent en avant bilan gouvernement sortant et fin cause de synergie qui est née au sein de l'Alliance pour faire avancer pays. Zeut dit que prochaine victoire, c'est pour victoire les peuples. Xavier Luc Duval, leader PMSD, fin lit cause le danger qui représente l'Alliance changement pour l'économie pays. Lydia qui pourrait tirer tout ban allocation sociale à la population. Xavier Luc Duval fin saluer victoire le dossier Chagos. Une victoire réelle et une victoire monétaire, d'après lui. Leader PMSD dit qu'aucun gouvernement n'a pas fini faire autant pour le pays. Des affaires pour marquer le pays sous Pravin Jagnet. Une grande générosité vis-à-vis le peuple mauvaisien. Une grande générosité du jamais vu. Et second, grand chantier de construction à travers l'île, dans chaque quartier, dans chaque chemin, pour le bénéfice des Mauriciens. Premier ministre et leader de l'Alliance Les Peuples dit qu'il y pérévine devant l'électorat avec un bilan. Un bilan non pas de 5 ans mais de 2 ans et demi en raison de la pandémie. Pravin Kumar Jagnet cite une mesure qui fin prend une nouvelle infrastructure pour améliorer la vie de la population. Il fin cause l'obana location sociale sans précédent et dit qu'il y a envie de faire encore plus pour tout le monde. Je suis fier qu'il y ait dans l'organisation internationale. Comment l'Organisation mondiale de la santé qui nous félicite nous pour la manière qui nous fait face à la COVID. Comment la Banque mondiale qui nous félicite nous parmi les 4 pays dans le monde qui nous donne autant de support à nos populations. Et je vous dis, nous gagnons l'appréciation du Fonds monétaire international qui dit nous parmi les pays
qui viennent rebondir beaucoup, beaucoup plus vite. Et contre le nouveau secteur de l'économie, nous avons contre une croissance positive. Et vous faites l'appel à toute la population, monte dans sa train du progrès, du développement. Et pour nous réussir dans ce qui nous peut prendre l'engagement pour nous faire, nous pouvons faire l'île Maurice un exemple en termes de modernité. Mais pour nous réussir faire ça, mon bisin qui me gagne, Adrien Duval, sous ma fille de Manroy, de le Pendant congrès, l'Alliance Les Pépas audit tantôt dans circonscription numéro 7, Piton-Rivière-du-Rempart. Trois candidats pour prochaine élection générale là-bas, Lila Davidoukan-Lutchman, Mahenja Grou et Karavi Irigadou, fin fait référence à circonscription numéro 7 comme un bastion sa Aniro Jagnet. Zot fin saluer sa Aniro Jagnet pour sa contribution dans le développement pays. Zot fin aussi mettre l'accent au bilan gouvernement avec plaisir prosé développement qui fin met 10 bouts dans la place taxi dans Rivière-du-Rempart. Premier ministre Pravin Kumar Jagnet fin accueilli chaleureusement par ban partisans l'Alliance Les PEP. Madame Issy, mot retrouve-vous après une pause pub. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Malti pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. Vous avez l'occasion de suivre les autres nouvelles dans nous l'information en français, mais pour tout de suite, une nouvelle déo. NASA lance une nouvelle mission, Europa Clipper. L'IPO arrive au Jupiter, mais l'IPO bise avant s'il y avait la planète Mars. Si tout passe correct, sa sonde là pour commencer sur l'orbite autour Jupiter le 11 avril 2030. L'objectif, c'est si est tout pour connaître si y a une zone habitable dans Jupiter. Bonne nouvelle étant avant nous clore sa édition là, situation générale. Niaz associé à une onde depuis l'Est a pu influence l'étang côté nous. Bonne prévision pour prochaines 24 heures. L'étang à soir pour couvert avec la pluie intermittente pour moment, dimanche matin. Pouena un peu la pluie, la zone pour aussi un peu la pluie localisée. La mer pour mauvais en déo brisant avec vague d'émettes. Marée haute 23h42 et que 10 mai 11h59, marée basse 17h51 et que 10 mai 5h57, soleil pour lever 10 mai grand matin 5h38. Autant donc pour l'actualité en 20 minutes, Madame Issy, merci pour l'attention, entière l'équipe à réalisation, rejoignez-moi, vous souhaite tout, une bonne soirée.